Bonjour à tous, c'est Vénérius, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'un des créateurs phares du XXe siècle, j'ai nommé Pierre Balmain. Si aujourd'hui la maison Balmain est l'un des empires de la mode, la sobriété, l'élégance mais aussi l'opulence sont les mots qui caractérisent le mieux l'esprit de Pierre Balmain. Qui aurait pu prétendre ce talent caché de la haute couture avec ce style inimitable? Qui est l'homme qui se cache derrière la marque? C'est ce que nous allons voir dans la mode sous toutes les coutures. Pierre-Alexandre Claudius Balmain naît le 18 mai 1914 à Saint-Jean-de-Maurienne, en Savoie. Le père de Pierre Balmain, propriétaire d'une entreprise de draperie en gros, meurt alors que le petit garçon n'a que 7 ans. Sa mère, quant à elle, tenait une boutique de mode nommée Galerie Parisienne à l'aide de ses sœurs, ce qui a sûrement dû influencer le futur créateur. Il passa une enfance des plus banales. Plus tard, il dira s'être distrait avec des objets qu'il fabriquait, des sortes de petites poupées mais qui avaient plutôt l'allure d'une mandragore. On peut même dire qu'elles ressemblaient aux mandragores du film Harry Potter. Il les fabriquait avec du papier de soie qu'il chiffonnait et les habillait avec des échantillons de tissu. Il utilisait même des petits morceaux de cuir qui faisaient office de chaussures. Sa mère, oui oui, encore elle, rêve que son fils devienne architecte. Si Pierre se laisse influencer dans un premier temps et envisage sérieusement d'embrasser cette carrière, en 1933, il entra à l'école des Beaux-Arts où il s'exerçait pendant 2 ans à tracer des colonnes, dira-t-il, ce qui en dit long sur l'intérêt de ce métier pour lui. Puis, suite à des difficultés financières, sa mère lui écrivit pour lui annoncer de quitter Paris pour préparer l'architecture en province, ou bien à gagner sa vie. Mais pour Pierre Balmain, il était hors de question de faire quelque chose dont il avait aucunement l'envie de faire. Avec recommandation, il se présenta dans différentes maisons de couture, et notamment chez Jeanne Lanvin, qui lui aurait dit qu'à ce moment-là, et durant toute sa vie, qu'elle n'aurait besoin de personne pour faire ses modèles. Elle l'aurait même encouragé à présenter ses modèles chez Lucien Lelong, en vain. Puis, il frappa à la porte de Robert Piget, située rue du Cirque, là où il avait son atelier de couture. Il lui acheta 3 dessins pour la modique somme de 90 francs, soit 30 francs pièce, soit l'équivalent de 71,50 €. Avec cette somme, il décida d'offrir un parfum à sa mère, un Jiki de chez Guerlain, qui lui coûta 61 francs, pour lui prouver qu'il arrivait à gagner sa vie avec ce métier, elle qui ne croyait en rien en ses rêves de couture. 8 jours plus tard, il décrocha un rendez-vous avec Édouard Molineux, alors dans toute sa gloire. Il lui montra ses croquis. D'un œil distrait, il n'y vit apparemment rien d'intéressant. Il s'apprêta à plier son carton à dessin. Quand il lui dit « Je pense pouvoir faire quelque chose pour vous. Revenez la semaine prochaine. » Et c'est plein d'espoir que Pierre Balmain refit d'autres croquis. Mais malheureusement pour lui, Édouard Molineux ne s'intéressait pas à ses croquis. Monsieur Molineux lui proposa de continuer à travailler aux Beaux-Arts le matin et de travailler sur les modèles l'après-midi dans son hôtel. Mais cette phase n'était qu'un test d'un mois. Mais au bout de 15 jours, il dira à Pierre Balmain « Vous pouvez lâcher l'architecture pour la couture ». En 1934, il parvient enfin à entrer dans la maison de couture Molineux, au sein de laquelle il commençait l'apprentissage avec Édouard, qui comptait le plus parmi sa vie de jeune homme. Si il apprit avec Monsieur Molineux comment on fait des robes, il a surtout appris la chose la plus primordiale dans l'élégance, le sens du dépouillement. Il est ensuite recruté en 1939 par Lucien Lelong, où il commença réellement sa carrière, et où il rencontra Christian Dior et Hubert de Givenchy. Mais hélas, cette même année, le pays entre en guerre et le rêve s'interrompit. Il sera mobilisé jusqu'en 1940. Il rejoint sa mère à Aix-les-Bains qui tient toujours sa boutique de mode. Il y côtoie l'écrivaine américaine Gertrude Stein pour qui il réalisera quelques tenues qui seront bien modestes compte tenu de la pénurie. De passage en Savoie, Lucien Lelong lui suggère de revenir à Paris. Après cette coupure, il retourna travailler chez Lucien Lelong où il partagea les responsabilités de la création des collections avec Christian Dior. Il imposa un concept personnel, une robe en crêpe noire baptisée Petit Profit qui s'écoula à 360 exemplaires, ce qui pour l'époque est clairement un succès commercial. Les robes et tailleurs épousent les formes du corps et sont sublimées par des tons sombres et sobres qui deviennent la marque du couturier. Il acquiert un savoir-faire qui jouera pour beaucoup dans le succès fulgurant de sa future maison de couture. «
Il est enfin venu le temps pour Pierre Balmain d'ouvrir sa maison de couture. Celle-ci voit le jour en 1945 au 44 rue François 1er dans le 8e arrondissement de Paris, là où se situe encore actuellement le siège de la maison de couture. Le jeune couturier de 31 ans décida de prendre le contre-pied de la mode fonctionnelle de l'époque en présentant des jupes en forme de cloche. Il décide d'adopter un style audacieusement féminin et sophistiqué. Broderie et taille cintrée sont mises à l'honneur. Balmain a opéré une vaste opération promotionnelle de lui-même à l'échelle internationale dès les premiers jours. Très rapidement, les créations de Pierre Balmain rencontrent un grand succès. Et pourtant, cette période de 1945 était très compliquée. L'électricité était coupée plusieurs heures par jour et les ouvrières étaient obligées de travailler avec des lampes acétylène. Il est même arrivé qu'une robe en tulle qui devait être portée le soir même ait été brûlée. Quoi de plus catastrophique pour une cliente et pour la jeune maison de couture? Pierre Balmain prône l'image d'une femme active, élégante et désinvolte. Sa première collection plaît immédiatement par la sobriété de ses coupes, le choix des tissus et des couleurs. Noir, vert, marron, rouge et parme. Sa première collection est décrite par Alice B. Tolkas, la Anna Wintour de l'époque, qui est selon elle un éveil, une nouvelle vision de la fonction réelle de la mode. Sublimer et accentuer les formes du charme féminin. Dans un second temps, il lance un parfum en 1946 qu'il nomme Élysée 6483. Le nom reprend le numéro de téléphone de la maison de couture. En 1947, la maison de couture créa son second parfum, Vent Vert. Cette année, la popularité ne fait que s'accroître, et ce, en même temps que le New Look de Dior. Un an plus tard, un designer danois, Erik Mortensen, qui deviendra le compagnon du couturier durant toute sa vie, entra chez Balmain. Juliette Gréco, la jeune et grande figure emblématique de la chanson française à texte, porta pour la première fois sur scène, en 1950, sa toute première robe Balmain, un fourreau en velours noir. Mais Juliette préféra porter une version plus dépouillée de la robe, après avoir découpé les ornements en satin doré et autres plumetis avec des ciseaux à ongles. Son style sobre plaît et fit fureur auprès du public, mais aussi auprès du couturier. Elle deviendra rapidement sa première égérie. Il y eut Marlène Dietrich qui fut une cliente un peu particulière. En période d'après-guerre, Pierre Balmain connaissait malgré tout quelques difficultés. Désireuse d'aider son amie, Ginette Spanier, qui était juive et directrice de la maison de couture, dont le poste pouvait être potentiellement menacé. Marlène décida de commander plusieurs tenues alors que le couturier n'était pas son favori. Elle préférait de loin Cristobal Balenciaga. D'ailleurs, petite anecdote, Marlène, très exigeante et perfectionniste comme à son habitude, fut très difficile lors des essayages. Ce fut, paraît-il, pour les vendeuses un véritable cauchemar, certaines pleurèrent. Quelques jours plus tard, Spanier reçut un petit paquet à Londres de la part de Marlène. Elle pensa tout d'abord à un petit cadeau pour se faire pardonner. Mais elle connaissait bien mal la star. Le paquet contenait la ceinture d'un peignoir acheté chez Balmain avec le charmant message « Indigne d'une maison de couture, à refaire ». En 1950, le succès de la marque s'exporte dans le monde entier. Balmain est notamment sollicité par la reine de la Belgique, du Danemark et de la Thaïlande. Et ce, pour des dressings entiers. Il réalisera de nombreux costumes pour la scène et pour le cinéma, et notamment pour Brigitte Bardot dans La mariée est trop belle en 1956, ou encore pour Rita Hayworth dans L'enfer des tropiques en 1957. Cette féminité exacerbée, emblématique de la maison parisienne, en fait rapidement la coqueluche des célébrités européennes comme hollywoodiennes. Il fallut attendre les années 50 pour que le nom de Balmain acquiert le prestige qu'on lui connaît. Quand ses costumes près du corps et robes bustiers aux jupes bouffantes romantiques envahirent le marché américain. Dalida, Katharine Hepburn, Brigitte Bardot, Sophia Loren et Lily Palmer. Pour qui cette dernière n'a Dieu que pour ses lainages légers qu'elle porta deux jours comme deux nuits. Même Brigitte Bardot, qui n'a aucun couturier de prédilection, a fait sensation avec une robe en velours portée sous un manteau, créée spécialement par Pierre Balmain. Tandis qu'Ingrid Bergman se laissa tenter par tout type de création. Toutes ces femmes permirent d'étendre la renommée de la marque dans le monde entier en portant ses créations, aussi bien à l'écran que lors d'événements mondains. Il habilla même la reine mère, la reine d'Angleterre. Balmain continua de créer des costumes pour le théâtre, pour le cinéma, notamment pour Sophia Loren dans The Millionaires en 1960, mais aussi pour Jane Fonda dans La douceur du jour en 1963. Il habilla même Josephine Baker, qui était une amie proche. Après cette longue période sans nouvelle fragrance, il décida de sortir son troisième parfum, Ivoire, en 1979. Durant cette période, il s'essaya au prêt-à-porter, mais malgré la popularité de la marque, ce fut un échec. Puis la maison décide de retenter l'expérience en 1982 avec une autre créatrice aux commandes. Le 29 juin 1982, Pierre Balmain succombe d'un cancer du foie à l'hôpital américain de Paris. Il avait 68 ans et venait de terminer les esquisses de sa collection d'automne. Tout comme Cristobal Balenciaga, Jacques Fatt ou encore Christian Dior,
Il fait partie de ces jeunes ambitieux qui donnent un second souffle à la haute couture après l'occupation allemande. C'est Erik Mortensen, alors nouveau veuf, qui était le bras droit de Pierre Balmain et qui deviendra le nouveau directeur artistique de la maison. La marque a malheureusement du mal à se renouveler. Faute de succès, il est remplacé par Pierre Hervé en 1990. Et il faudra attendre 1992 l'arrivée de Oscar de la Renta à la tête de la maison Balmain pour voir l'entreprise renaître. De nouveau, la marque est plébiscitée par les stars comme Ivana Trump, Jackie Onassis ou encore Liza Minnelli. Oscar de la Renta quitte son poste en 2002, ce qui replonge la marque dans 4 années de traversée du désert. Puis les directeurs artistiques se sont succédés, Laurent Mercier, Christophe Lebourg. Et il faudra attendre Christophe de Carnin en 2006 pour que la marque revienne au premier plan. Et pourtant, ses efforts se sont concentrés sur une revisite des classiques de Pierre Balmain. Il a cherché à respecter la sobriété de la coupe, le style rock, graphique et sensuel, qui étaient ses caractéristiques. De Carnin séduit la presse spécialisée, ainsi que les stars Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow ou encore Audrey Tautou. L'engouement est de nouveau autour de la marque qui habille les plus grandes stars. La femme Balmain de ce renouveau est à l'image de Kate Moss, l'idéal du styliste. Une femme sexy, glamour et marquée d'un esprit rock. En 2009, la marque balbutie tant bien que mal pour garder son blason doré. Un jeune homme, alors styliste chez Roberto Cavalli, est contacté pour un poste de responsable du studio de la création au sein de la marque française. Le jeune homme travaille dans un premier temps aux côtés de Christophe de Carnin, directeur artistique de la maison Balmain. Olivier Rougetin, dans la continuité de Carnin, est reconnu pour ses créations rock et ultra féminines. Et il ne fallut pas longtemps pour que le jeune Olivier Rougetin devienne à l'âge de 25 ans le directeur artistique de Balmain. Il supervise désormais le développement des collections hommes et femmes. Sa première collection prêt-à-porter pour Balmain est présentée en 2011, remarquée pour son anticonformisme éloigné de son prédécesseur. Il dira « Nos références divergent, il était plus rock, plus David Bowie, plus années 80 et pantalons, alors que j'aime les robes courtes aux références 2000. » Veste à épaulettes structurées, robes cloutées, teintes or et jambes dévoilées règnent sur les podiums. Mais également des tendances sportswear et un mélange des genres variés. Il éloigne Balmain de l'esprit parisien de la mode en faisant faire le grand écart entre différents styles très marqués et internationaux. Actif sur les réseaux sociaux, sa popularité se mesure par son compte Instagram qui compte plusieurs millions d'abonnés. Désormais, tout le monde s'arrache ce nouveau Balmain que l'on appelle Balmain by Olivier Rougetin. Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez, le clan Kardashian et de nombreux mannequins Victoria's Secret. Olivier fait de Balmain l'une des marques les plus prisées et les plus populaires au même titre que Chanel et Louis Vuitton. La marque gagnant en notoriété depuis qu'Olivier est à la tête, désormais, des mannequins reconnus défilent pour Balmain. En 2017, il collabore avec le danseur et chorégraphe Sébastien Berthaud pour concevoir les costumes du ballet Renaissance pour l'Opéra National de Paris. En 2018, Balmain collabore avec Beyoncé pour les costumes de scène de la chanteuse et de ses danseurs durant la tournée Under Rent 2, mais aussi pour le festival Coachella. Depuis ça, les groupes de luxe tels que LVMH et Kering se sont arrachés la maison de couture pour tenter de la racheter, mais en vain. Puisque c'est Mayoula, qui appartient à la famille royale du Qatar, qui rafla la mise, avec selon les journaux, plus de 500 millions d'euros. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des j'aime et surtout à vous abonner. Ciao ciao!